Dans son dernier numéro, le magazine Paris Match rapporte les propos tenus par Pierre Palmade après sa sortie polémique en boîte de nuit. Bien qu'il ait été conscient que son geste pouvait choquer, il a affirmé en avoir eu besoin. Des photos de Pierre Palmade en boîte de nuit ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été choqués de voir l'humoriste si peu de temps après son grave accident de la route qui a coûté la vie à un bébé à naître et blessé grièvement trois autres personnes, dont un enfant de 6 ans. Bien que les médecins aient donné leur accord pour qu'il sorte et s'amuse, l'indignation des internautes a été suscitée par sa présence sur les réseaux sociaux. La vidéo montrant Palmade a été diffusée dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 juin. Les réactions des internautes ont été vives, nombreux ont été ceux qui ont exprimé leur colère devant les images de l'humoriste en train de s'amuser en boîte de nuit. Cependant, il est important de noter que Palmade a le droit d'aller à une fête et de se divertir, même après un accident aussi grave. Bien que cela ne soit pas du goût de tout le monde, il est important de respecter sa liberté individuelle. Il convient également de souligner que le contrôle judiciaire de Palmade a été assoupli, ce qui lui permet de se déplacer librement. Cela signifie qu'il peut aller où il veut et qu'il n'a plus à se soucier de ses déplacements. Malgré tout, certains internautes ont été choqués que Palmade ait choisi de se rendre dans une boîte de nuit, un lieu souvent associé à la consommation d'alcool et à la fête. Un témoin a rapporté à BFM TV que l'humoriste n'avait pas cherché à se montrer, mais qu'il n'avait pas non plus cherché à se cacher. C'est le fait d'être là qui a dérangé beaucoup de gens dans la boîte. En somme, bien que la présence de Palmade en boîte de nuit ait suscité l'indignation de certains internautes, il est important de respecter sa liberté individuelle et de ne pas le juger sur ses choix de loisirs. Pierre Palmade sait que tout le monde se souviendra de cette nuit-là. La boîte de nuit a d'abord nié que Pierre Palmade était présent, mais l'humoriste a reconnu auprès de ses proches y être allé. Il a expliqué qu'il avait besoin de se changer les idées après une période difficile de 4 mois. Pierre a vécu des moments difficiles suite à un accident, et il avait besoin de faire une pause pour se ressourcer. Selon Paris Match, il aurait voulu décompresser et danser pour oublier ses soucis. Il était conscient que sa sortie nocturne serait critiquée, mais il a décidé de sortir malgré tout. Pierre avait besoin de se sentir vivant à nouveau après avoir subi une épreuve difficile. Cependant, il savait que sa sortie nocturne serait critiquée, car cela rappellerait le funeste jour de février 2024. Pierre a déclaré à ses amis, « Tout me renvoie à l'accident et tout le monde m'y renverra toujours. » Il a ainsi exprimé sa peur de ne jamais pouvoir surmonter cette tragédie. Néanmoins, il est important de souligner que Pierre Palmade a montré une grande force en décidant de sortir et de continuer à vivre. Cette expérience montre qu'il est important de prendre du temps pour soi et de se changer les idées, même lorsque cela semble difficile.